Hey, coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme M Voyance. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une très belle journée, que tu profites, voilà, vraiment de la vie, que tu profites surtout du soleil qu'on a en ce moment. Dans cette vidéo, j'ai décidé d'aborder un sujet qui est à l'actualité aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la présentation d'Emmanuel Macron aux élections 2022. En fait, en effet, il a affirmé qu'il ne sait pas s'il va se présenter ou pas, et c'est ce que je vais tenter d'essayer de répondre. Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que au contraire il nous cache quelque chose? Au jour d'aujourd'hui, voilà, il faut que je vous avoue les amis que je ne suis pas vraiment motivé, voilà, parce que j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose sur ma chaîne ou d'avoir fait quelque chose de mal. Ça fait en effet 3-4 mois que je suis vraiment dans la difficulté de totale de ma chaîne. Je n'ai pas d'évolution et mes vidéos, voilà, il y a quelque chose en fait qui fait que je sens que j'ai peut-être échoué quelque part. Donc n'hésitez pas à me donner vos ressentis dans les commentaires. Que j'ai échoué quelque part, je sais pas. Je me suis peut-être perdu un petit peu dans mes vidéos et dans mes tirages. Voilà, mais j'ai toujours autant de plaisir et de bonheur à vous faire ces vidéos. Ça, c'est vraiment toujours ma passion, mon plaisir et mon bonheur d'échanger, de partager avec vous, avec tout ce que vous m'avez apporté depuis ces 3 dernières années. Pour ça, je l'oublierai jamais. Je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à mon tirage également. Et n'hésite pas à me laisser un maximum de pouces bleus pour me soutenir. Je compte sur toi. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon tirage. Ah. Alors moi, ce que je peux voir avec Emmanuel Macron, c'est la première chose, c'est la carte de l'ermite, cette perte de pouvoir et cette involonté à réussir. La volonté à réussir à prendre des choix et à prendre les bonnes décisions. Il sera encore une fois confronté à des difficultés sur son. Alors moi, je ne vois pas forcément ne pas se présenter, mais je le vois dans des difficultés. Il y a encore une année pour qu'il se décide à faire, voilà, vraiment le. On va dire quelques mois avant qu'il se décide, mais pour l'instant, moi, je ne le vois pas sur une mesure prise et une indécision prise. Plutôt pour le moment, il n'y a pas vraiment de décision prise de sa part. Il y a quelque chose, par contre, qui nous cache. Il va falloir être prudent, surtout dans les prochains mois. Il va essayer de jouer sur le domaine de la prudence, le domaine. De la sécurité, du confort, il va essayer de nous rassurer sur ses décisions et sur ses choix qu'il va prendre. Il va être là comme se montrant comme un guide, alors qu'il n'était pas pendant tous ces derniers mois. Maintenant, sauf faute de problème, c'est que Emmanuel Macron a déjà joué toutes les cartes qu'il avait en jeu, tous les atouts qu'il pouvait. Pour lui, ce choix va être très très difficile parce qu'il a été plus considéré pendant ces 4 dernières années comme un meneur démoniaque, comme voilà, cette carte du diable l'affirme. Il a soumis la population à un rythme de vie, avec des difficultés de vie, il a appauvri le pays également. Et les Français sont là. Menés à la baguette sur ses indécisions, ils sont sur ses obligations et n'ont pas réussi à se révolter et ne réussiront pas à se révolter contre Macron. Dans tous les cas, ils sont un petit peu soumis à ce dictateur-chef qui est présent toujours pour le moment.
La carte de la force, de la confiance. Il se peut que Emmanuel Macron se réveille tout d'un coup au bout de 4 à 6 mois comme étant un fort leader. Voilà, il va montrer qu'il est capable de mener à bien ce qu'il a entrepris. Il va commencer à faire enfin quelque chose pour mener à la baguette les Français et dire, tenez, regardez, je fais ça, je fais ci. Voilà, un petit peu comme tous les présidents qu'on a eu jusqu'à maintenant. Il va essayer de, par ses choix et ses décisions, cette carte de la confiance et de la force, à montrer qu'il peut faire des choses, mais ne serait-ce pas trop tard, déjà, voilà. Et enfin, la dernière carte est la carte du chariot qui montre potentiellement une victoire, une chance de succès, une chance de réussite, comme un roi sur son trône, qui mène à bien, voilà, qui mène à bien ses tâches et ses accomplissements. Il montre qu'il est avide de pouvoir, d'argent et de réussite et de succès, de chance également. Donc je me demanderais s'il ne va pas aller jusqu'à se représenter. Sa décision pas prise, je suis pas sûr de ça, puisque voilà, il y a vraiment un meneur qui est là, quelqu'un qui veut triompher et gagner et montrer qu'il ne baissera jamais les bras par fierté. Je pense, et par question économiquement parlant aussi, il faut savoir que mon jeu m'a montré la première carte sur le dessus qui était la carte de la justice qui nous montre clairement qu'avant de se représenter, il va devoir faire face à la justice et il va devoir rendre des comptes de ce qu'il a fait avant de pouvoir se représenter. Maintenant, dur, dur de l'affirmer à 100% puisque Emmanuel Macron s'est permis des choses et des événements hors contexte comme la soumission d'un peuple et d'avoir enfermé son peuple pendant plus d'un an sur l'espace de 2 ans, ce qui est très énorme, très difficile et je pense que même de toute façon, voilà, si il venait à se représenter que peu de gens, malgré les sondages qui nous montrent voilà, des gros scores, peu de gens seraient prêt à revoter pour lui pour cette élection de 2022. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment voilà que vous avez apprécié le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager partout sur les réseaux sociaux avec vos familles et vos amis. N'hésite pas à me laisser un maximum de pouces bleus. Je compte sur toi et pour tous tes messages privés, ça se passe sur mon Instagram. Jérôme tiré du bas, Mera. Voilà, je te fais de gros gros bisous et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.